Je repasse la parole à Marjorie Fanguin qui est sur tous les fronts de la société Keolis qui va nous parler de métadonnées, de comment gérer ces métadonnées avec QGIS. Bon, c'est encore moi, j'espère que vous n'avez pas marre du transport parce que c'est un peu spécifique comme métier. Mais voilà, on ne va pas parler de transport, on va parler métadonnées. Alors, je vous avertis tout de suite, vous risquez d'être déçus pour en avoir discuté un petit peu déjà depuis hier sur le sujet. Moi j'ai fait une petite étude assez récemment sur la gestion des métadonnées dans un contexte très particulier, donc que je vais vous expliquer. Alors, le contexte. Donc déjà je vous épargne la première diapo, c'est la même que tout à l'heure. Déjà je gagne 2 minutes et ça laissera du temps pour les remarques tout à l'heure. Ensuite, peut-être pour redire un petit peu le contexte au niveau du SIG. Donc je suis seule à travailler sur les données. Et en fait, moi, je me suis retrouvée avec une question de dire, si jamais demain, je me retrouve pour une raison X ou Y hors course, qu'est-ce qui se passe de tout le travail que j'ai fait, en fait, depuis 3 ans? Et là, je me suis dit, je vais avoir quand même besoin de documenter un petit peu ce que j'ai fait. Donc, pour moi, l'objectif, il était là. Donc, aujourd'hui, quand on parle métadonnées, souvent, il y a un SPIRE qui est juste à côté. Nous, en fait, nos données sont déjà diffusées en open data depuis 2010. Rennes Métropole répond aussi à cette demande de diffusion des données en open data. J'ai regardé un petit peu, donc la plupart des métadonnées sont déjà là, enfin en tout cas les plus importantes. Donc moi, c'était à la limite pas mon problème. Donc déjà, tous ceux qui disaient on va parler d'Inspire, voilà. Par contre, moi, mon problème, c'était de dire effectivement mes données, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'il y a dedans et d'où elles viennent. Voilà, c'était un petit peu toutes ces informations-là que je voulais documenter. Et c'était aussi le fait de dire, voilà, moi j'ai des informations qui viennent de l'extérieur. Le jour où je vais faire, moi, mon suivi des mises à jour, comment est-ce que je fais? C'est-à-dire que j'ai des données qui viennent, là, par exemple, de l'INSEE, de la CCI. Ces données-là, je les mets à jour peut-être une fois par an ou plus ou moins. Enfin, voilà, l'idée, c'était de pouvoir faire le suivi et dire, j'ai fait la mise à jour de ces données-là à telle date. Je veux la faire tous les ans et donc l'année d'après pouvoir faire une recherche et pouvoir me dire là il faut que je mette ces données là à jour. Voilà, c'était faire ce suivi là aussi. Donc là j'ai fait une petite recherche dans QGIS en me disant il doit bien y avoir des extensions qui font un truc comme ça. Donc j'ai fait une recherche, il y a ISOGEO dedans. Il est dedans. Donc en fait j'ai fait une recherche sur Metadata. Donc j'ai trouvé un certain nombre d'extensions proposées. J'ai lu le descriptif à côté et par rapport aux besoins que j'en avais, moi j'en ai sélectionné 4. Donc il y a Layerborn, Metadata, DBLinker, MetaTools et QSphere. Je me dis ces 4-là, je devrais pouvoir trouver un petit peu les choses qui m'intéressent. Donc je vais vous les présenter très très rapidement. Donc Layerborn, en fait, donc toutes les extensions sont accessibles depuis le menu extensions, donc ça c'est assez pratique. Donc en fait, Layerborn permet de gérer un certain nombre de données dans le projet QGIS directement, sachant qu'on peut aussi faire un export en CSV. Cet outil en fait récupère un certain nombre d'informations qui sont dans les propriétés des couches, et on a aussi possibilité de faire de la saisie directement depuis l'interface, qui se retrouve aussi au niveau des couches. Alors, ce que je trouvais assez positif en fait dans cet outil, c'est qu'on peut récupérer automatiquement les informations qui sont gérées automatiquement par QGIS sur l'extent, etc. Par contre, je me suis dit le problème de ce truc-là, c'est que moi j'ai plein de projets QGIS, et si je dois gérer les métadonnées dans chaque projet, je vais avoir des couches qui vont se retrouver en fait dans plusieurs projets. Après, quelle est la bonne métadonnée? Est-ce que c'est celle de ce projet-là, celle de ce projet-là? Enfin, je me disais que ça pouvait être un peu compliqué. Et pour mon histoire, en fait, de pouvoir rechercher un petit peu sur les métadonnées, par exemple sur les mises à jour, savoir qu'est-ce que je dois faire l'année prochaine, là, je voyais pas bien comment je pouvais faire avec cet outil-là. Ensuite, donc, il y a Metadata DBLinker. Donc, cet outil-là, en fait, il fonctionne dans une base de données Postgre. Donc je vous ai mis là en bas ici la description de la table. Donc la table elle est définie. Cet outil est très bien documenté, donc on peut retrouver sans problème la structuration de la table, on peut la recréer. J'ai aucun souci là-dessus. Et donc en fait au niveau de la base de données, il y a une interface donc qui permet de saisir les données.
Et il y a une chose aussi qui est bien, c'est quand on est dans le menu base de données, gestionnaire des bases de données, quand on crée des tables ici, en fait, l'outil s'ouvre automatiquement et il vous dit attention, vous venez de créer une nouvelle table, quelles sont les métadonnées en fait que vous voulez saisir dessus. Par contre, moi j'ai vu deux soucis à ce niveau-là. Le premier, c'est que ça manquait de données métiers géographiques, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était coordonnées, système de coordonnées, etc., je l'ai pas vu dedans. Je voyais pas le moyen d'ajouter de nouvelles colonnes à cet outil. Et l'autre souci, c'était, ben, en fait, on gère pas du tout les autres formats que les données qui sont en base de données. Alors moi, j'avais quand même pas mal de données en SHP et puis des données de formats divers. Donc je me suis dit, je ne vais pas pouvoir gérer ces autres données-là dans cet outil. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé QSphere. Alors QSphere, c'est un outil qui est développé par le ministère... à noir à longe, mais... l'idée, c'est que lui, il est très adapté à Inspire. C'est-à-dire qu'il est, il s'adapte tout à fait au contenu des métadonnées qui sont nécessaires suite à la directive Inspire. L'interface est pas très sexy, mais ça c'est mon avis, mais c'est un détail. En tout cas, elle est simple d'accès. Il y a plein de facilités de saisie. Il y a des choses qui se remplissent automatiquement. Il y a des aides à la saisie, des listes de références, etc. J'avais trouvé ça plutôt sympathique. Et par contre, c'est effectivement des fichiers XML pour chaque couche. C'est-à-dire que, en termes de centralisation, on se retrouve avec des fichiers XML pour toutes les couches. Et moi, ça répondait pas à mon besoin de pouvoir centraliser un petit peu toutes mes métadonnées. Voilà. Et j'ai essayé MetaTools, que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Voilà. Donc je crois que on a peut-être une intervention tout à l'heure dessus, mais. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, je suis bien embêtée avec mon histoire. Donc en fait, je me suis retrouvée à faire une espèce d'application, en fait. Donc j'ai utilisé en fait l'outil d'Icogis, qui a été développé par Julien Mourin, que je remercie. cet outil, en fait, il est assez pratique, c'est-à-dire qu'il est capable de lister dans un répertoire toutes les couches géographiques que vous avez, avec un certain nombre d'informations, notamment les informations géographiques sur les systèmes de coordonnées, sur la dernière date de mise à jour. Et donc, lui, il fonctionne aussi bien sur les fichiers que sur les bases de données. Donc ça m'a permis, en fait, de lister toutes les données que j'avais. Donc ça, il le sort dans un fichier Excel. Et après, moi, dans ce fichier Excel, j'ai supprimé les colonnes qui m'intéressaient pas au niveau de la maintenance des métadonnées. J'en ai ajouté d'autres. Et après, en fait, je me suis créé une table sous PostGIS. Alors, je ne sais pas si vous lisez à peu près les infos que j'ai mis. Bon, ça reste personnel. Je pense qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes besoins sur les données à gérer. Et après, je me suis créé un projet QGIS pour ça, spécifiquement. Donc là-dedans, j'ai zéro géographie. Mais j'ai pu me créer une espèce d'application avec des aides de saisie, avec des listes de références, avec un certain nombre d'outils qui me permettent de pouvoir saisir mes métadonnées assez facilement. Donc voilà. Donc ça, c'était une espèce d'outil made in Keolis Rennes, qui répondait en tout cas à mes besoins. Voilà, c'était tout. Merci. Peut-être une première question, est-ce que vous pouvez nous dire comment vont évoluer ces outils que vous avez mis en place, comment vous envisagez dans les années qui viennent leur évolution ? La révolution, au niveau des métadonnées ? Leur évolution. l'évolution déjà, donc là aujourd'hui j'ai pu documenter en fait mes données. Le but c'est de faire évoluer en fait les métadonnées de toutes mes données. Et puis, si besoin, de faire évoluer. L'avantage, en fait, de cette solution, c'est que j'ai la main complètement dessus, aussi bien au niveau de la structure de la base de données que de mon projet QGIS. Donc, en fonction des besoins qui vont se présenter, je vais pouvoir le faire évoluer, si c'est des besoins auxquels je peux répondre. Mais... Okay.
Je veux juste rebondir sur, du coup, sur cette capacité de CACUJIS à permettre à quelqu'un qui n'a pas une seule compétence en développement, je ne dis pas que c'est votre cas, mais de faire des formulaires, des sous-formulaires avec des lisées roulantes, des cases à cocher, sans forcément que ce soit du spatial. Et du coup, dans QGIS, voilà, si vous voulez faire une application, vous créez, ça peut très bien être un fichier Excel, hein, que vous ouvrez dans QGIS. Je fais exprès, je parle d'Excel, ça va faire rugir tout le monde, mais c'est pour dire à tel point que QGIS essaie de se rendre vraiment pour un usage vraiment très très large. Et on peut dire, bah, ça c'est une liste déroulante, j'ai un sous-formulaire, donc on peut avoir des travaux sur des lampadaires, on peut avoir plein de choses, sans devoir le coder, et sans même devoir utiliser une base de données comme c'est le cas ici. Ça n'empêche pas qu'après il y a des outils vraiment avancés pour gérer la base de données, enfin la métadonnée au niveau SIG, qui sont des vrais outils client-serveur. Mais en tout cas, voilà, ça, je trouve que c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire avec QGIS sans être développeur web ou autre. C'est quand même un sacré apport, je trouve, de QGIS par rapport à d'autres logiciels qui n'ont pas cette capacité-là. Oui. Une petite intervention sur MetaTools, quand même. Nous avons dans cette salle la seule personne qui a réussi à faire fonctionner MetaTools. Moi, j'ai une petite question sur DicoGIS. You. Oui, allez-y. J'ai une petite question sur DicoGIS. Vous pouvez développer un peu, en fait, c'est quoi ce truc? En fait, c'est un utilitaire. C'est une extension qui est téléchargeable sur Internet. Et simplement, vous le lancez. Alors, je vais peut-être remettre l'interface. Mais vous le lancez. Ici, vous avez possibilité de renseigner le chemin de votre dossier. Ici, vous permet d'indiquer quels sont les formats que vous voulez lister. Et voilà, et en fait, en lançant l'outil, il vous liste tous les fichiers qui sont dans le répertoire en question. Et sinon, vous avez l'onglet database, pardon, qui est là derrière, qui permet de faire ça aussi dans une base de données. Oui. Alors, c'est pas une extension de QGIS, hein, c'est vraiment un programme indépendant. Je voulais savoir quel est l'intérêt d'attaquer. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment utilisé ces fonctionnalités-là de QGIS. Pourquoi pas brancher QGIS directement sur le fichier Excel? Moi, à une époque aussi, je faisais des trucs directement sur les fichiers Excel via QGIS. Pourquoi passer par une intégration dans une table PostGIS? En fait, c'est parce que j'ai mes bases de données en base et ça me permet, juste une table en plus dans ma base de données, ça me permet de tout centraliser, en fait. Okay, c'était juste cette question-là et par principe, c'est pas bien Excel. Régis? Oui, alors c'est plus un point d'information pour la suite, pour l'avenir. Tu as très bien montré, on a une grande diversité de plein de plugins qui font chacun un petit truc bien. On est dans cette phase préalable où on sent que les utilisateurs QGIS commencent à s'approprier la métadonnée, les contributeurs commencent à apporter des briques. Dans QGIS 3, il y a un projet officiel qui est soutenu par la Banque mondiale d'intégrer totalement un système de saisie, de consultation et d'interaction avec des plateformes en ligne type GeoNetwork, type GeoNode, des types qu'on voudra raccrocher en face, par exemple, qui est en cours. C'est déjà fonctionnel sur des métadonnées pas ISO, sur des métadonnées de Blinkor, pour commencer sur des choses plus simples, plus open data que choses spatiales. Et il y a des appels assez constants à de l'aide à la contribution pour qu'on ait enfin un système unifié et qui joue en totale interopérabilité dans QGIS 3. Donc là, vous avez une solution élégante qui gère à peu près tous les cas qui arrivent, qui demandent un petit peu de support. Merci. Dernière question, Nicolas. Toujours par rapport à DicoGIS, j'ai pas compris qu'est-ce que ça produit en sortie, DicoGIS. Un fichier Excel. Un fichier Excel avec quoi dedans? La liste, en fait, de tous les fichiers qu'il a trouvés. Et en colonne, en fait, un certain nombre d'informations sur l'étendue de la couche, sur le SRC, sur la dernière date de modification, quelle date de création. J'ai plus en tête tous les... Il extrait automatiquement des informations, des métadonnées depuis des couches, d'accord. Mmh.